Comment ça va YouTube? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce bac que j'ai construit. Il n'est pas encore terminé, mais je vais vous montrer des petites astuces pour réaliser ce genre de bac. Alors, le bois, comme vous voyez, il est magnifique. Il provient de mon dernier voyage au Vietnam que j'ai pu ramener tous ces bois. Donc en tout, il y a dans les 9 kilos. J'ai les collé pour donner cette forme magnifique. Je ne sais pas sur quelle direction je vais diriger. Donc finalement, j'ai pu faire ce skep-là. Je vais vous montrer le début du montage de ce bac. Je vais relever un petit défi parce que, comme vous voyez ici, le sol, il est pas très haut. Donc c'est dur de faire tenir les plantes, mais j'ai une solution, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, ici comme vous voyez, il y a deux rampes de Wikaqua avec leur support Wikaqua que vous avez pu voir dans le unboxing, le matériel que j'ai amené depuis Vietnam. Il ne reste plus que la plantation, je vous remets tout le début, comment j'ai pu monter tout ça. Allez, let's go! Thank you.
Et là, je suis en train de arroser un petit peu dès le départ le bois. Et puis après, on va glisser les mousses sur des petites sections. Comme ça, on va laisser pousser en dry star. Voilà, l'idée, c'est d'enfoncer sous 2 cm de sol. Là, je peux pas vous filmer parce que je suis tout seul. Donc, je vais mettre ça sous le sol et ça va pousser. Du fait que là, on est en dry star. Alors, cette méthode marche super bien du moment où vous n'avez pas beaucoup de profondeur de sol pour pouvoir planter votre plante. Voilà, on va recouvrir comme ça et ça va pousser. Voilà. Là, j'ai mis le bucéphale endroit, l'endroit où j'ai collé. Comme ça, ça se voit presque plus. Ici aussi, il y a un collage là. Et ce que je peux faire. De mettre une Anubia Nana Bonsai là. Comme ça, ça se voit pas le collage. J'avais planté aussi des Monte Carlo. Mais juste quelques touffes partout. Et on va laisser pousser tranquillement. Alors moi qui est toujours contre le dry star, pour une fois, j'y change d'avis. Du fait que le sol, il n'y a pas assez d'épaisseur et que les mousses, j'aimerais bien qu'ils poussent de façon naturelle, qu'ils soient plus jolis, que de coller les mousses dessus. Et le gazonnant, il faut que ça va enfouiller dans le sol et puis ça va créer plein de racines pour que ça accroche bien du fait que l'épaisseur du sol est très très peu. Voilà pourquoi d'où est mon idée de faire le dry star. Mais bon, voilà, ça ne change pas d'avis. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le temps, c'est pas idéal un dry star. Voilà, là je vais remplir un petit peu d'eau, c'est-à-dire qu'il faut que le sol soit bien mouillé et qu'il y a quand même ça d'eau pour éviter que ça sèche trop vite.
le bac il est neuf. Ici j'ai du bac pour prêche de chez Badabio, donc je vais en vous donner un petit peu. Alors, ça je vais donner pour le sol vivant, développement des racines, les micro-organismes du sol, le croissance de plantes, la beauté des couleurs, booster l'engrais. Donc celui-là c'est micro-macro life, je vais mettre 4 millilitres, donc ça fait 12 pour un 300 litres. Non, je suis vachement content de ce produit parce que ça marche bien sur le bac le concours. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que vous verrez plus tard. Alors là, c'est Dabco Live, apporte vos besoins, ce dont vos plantes ont besoin, minéraux, éléments traces et hormones végétales de croissance. Voilà. Et ça, je vais mettre 15. 5 mm par 100 litres. Voilà. Et ça, je vais rajouter tous les 4 jours. Même si je vais pas faire changement d'eau de suite. 4 jours. Je ne sais pas encore, je vais voir suivant mon emploi du temps. En principe, c'est tous les 4 jours que je vais changer d'eau, puisque j'ai un sol qui est neuf et un petit peu de vieux en dessous. L'eau elle est un peu ombrée, donc je vais laisser un petit peu. Ça ne sert à rien de changer tout le temps. L'eau sera toujours ombrée pendant un certain temps. Donc on va laisser se tourner, on va laisser cycler tranquillement. Cette fois, j'ai pas de bactéries dans le filtre est tout neuf, donc on va laisser tourner un petit peu et puis on reviendra un petit peu plus tard. Ici, il y a un joint comme les Heim. Alors, il y a ça et un deuxième qui est au fond. Voilà. À l'intérieur, c'est nickel chrome. C'est très propre. Alors, je touche. On ne voit pas les soudures parce que c'est à l'extérieur. Donc, ça, dedans. C'est du beau matin, ça, franchement. Très, très joli. Très bien fait. Magnifique. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre des nouilles à l'intérieur dans un filet, déjà des nouilles céramiques. Voilà, pas mal de nouilles céramiques. Après, je vais mettre les mousses ici, réserve bactéries. Une semaine après, les amis, je n'ai pas encore fait des finitions au niveau du sol en rajoutant des cailloux un petit peu partout pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Je vais attendre un peu. Alors, voici le filtre. Alors ici, on a le CO2. Le diffuseur de CO2, les raccords que vous avez déjà vus,
Et l'autre raccord, il est de l'autre côté. Et écoutez le bruit. Essayez d'écouter le bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est tellement silencieux. C'est incroyable. C'est vraiment très, très, très silencieux. Alors, je mets ça toujours parce que quand un filtre il est neuf, on ne sait pas comment réagir les joints, etc. Donc, j'ai toujours prendre mes précautions en mettant voilà, un truc comme ça au cas où si ça fuit. Et ici, la pompe elle est en rodage. Je n'ai pas encore regardé ce que ça signifie 110. Mais pour l'instant, le bac, il n'est pas super planté, donc ça me va très très bien pour l'instant. Donc voilà, et là, ça a l'air de cracher pas mal. Je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà. Là, c'est le CO2 qui est sorti, les petites bulles là. Et là, regardez, comme les plantes elles bougent là. Donc je pense qu'il n'y aura pas de zone morte et il n'y aura pas de, de la cyano parce que la pompe, pour l'instant, il a un bon petit débit et pourtant, je ne suis pas à fond, à fond, à fond, à fond. Les plantes, comme elles bougent là, donc c'est un bon signe. Pour l'instant. Et voilà les potences avec ces deux rampes 8 à quoi.